C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Soit on n'est plus dans l'histoire, on est dans la politique, soit on est, je dirais, un peu dans la géopolitique aussi. Mais toujours est-il que moi, j'ai considéré que ce n'est pas un problème de concurrence, c'est un problème de traitement. Il y a un manque de respect de la communauté noire dans le traitement Clairement. De la mémoire de la communauté noire Clairement. Et la responsabilité qu'a l'État français pour tout ce qu'elle a fait, y compris les déportés réunionnais. Hein, donc prendre des gens dans des jeunes de la Réunion et les éparpiller dans les provinces françaises sans qu'un frère ait l'occasion de voir sa sœur, les essais nucléaires qui ont été faits sur les atolls, il y a quand même des choses, il y a quand même un dossier. Vous voyez, avec le chlordécone qu'on peut rajouter, le fait d'avoir dédommagé les colons en 1849 et d'avoir laissé les gens dans une problématique qui s'appelle la merde, non, il y a quand même des choses sérieuses. Donc des choses sur lesquelles on attend. Comment on se met à table pour régler ces problèmes-là? Le problème du foncier, le problème du financier, toute une série de problèmes. Vous voyez, le problème qu'un Indien a le droit de faire sa culture et sa spiritualité, moi, quand c'est moi, je fais de la sorcellerie. Donc, du coup, la problématique de fond, c'est que c'est sérieux. Vous voyez? Mais si on en arrive à dire n'importe quoi, c'est parce qu'on a laissé un espace vide. Alors, rentrons dans les faits. Prenons le document suivant. Parce qu'il faut rappeler un certain nombre de faits. Il faut savoir qu'il y a eu ce qu'on appelle l'engagement. Donc la politique des engagés, ce sont des Blancs qu'on a pris dans l'Hexagone et qui étaient sous contrat de 3 ans, ce qu'on appelle les 36 mois. D'accord ? Bon.